connais-vous le petit livre? Mais je sais pas. Je connais pas. Mais moi, je sais pas. Ligne A. À destination de Bordeaux. Alors là, on arrive un petit peu à la fin de l'année en ce qui concerne le projet Rubik's Cube. Donc on finit toujours par le concours Rubik's Cube, après avoir été formé dans le cadre de l'accompagnement personnalisé ou dans les cours de mathématiques. Donc les élèves ont découvert déjà le Rubik's Cube et ont appris à le faire. Et on va donc faire ce concours. Et autour du concours, on a proposé un concours photo. Donc là, on va dire des élèves sont en train de placer des Rubik's Cube dans l'arbre pour pouvoir prendre des photographies pour pouvoir participer au concours. Donc on a les deux côtés aujourd'hui. À la fois le concours et la prise de photos dans des cadres sympathiques. Concours. D'accord. Il y a un concours entre les lycées, il y a un meilleur temps à faire sur 50 Rubik's Cube. Et dans le lycée, il y a un concours photo, il y a 4 photos à faire. C'est pas cumulable, ceux qui sont premiers, ceux qui ont un prix dans un des 4 concours, il n'y en aura pas un dans un des 3 autres. Okay. Quel est le prix? Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Le premier, il a 30 euros et après les autres, je sais que le moins c'est 10 euros et le plus grand prix c'est 30 euros. Ok, très bien. Et ça fait longtemps quand tu fais le Rubik's Cube? Depuis la seconde. Depuis la seconde. Et tu es en quelle classe? T'es comme 3. T'es en terminale, d'accord. Et ça prend beaucoup de temps d'apprendre à faire le Rubik's Cube? Bah, ça dépend. Moi j'ai mis 2 semaines. D'accord. Tu t'es entraîné tous les jours? Bah au départ oui, tous les jours. Après un peu moins vu que je savais le faire, c'était moins marrant à faire, mais juste pour le temps. Et maintenant, combien de Rubik's Cube tu es capable à faire? Dans combien de minutes c'est ton le plus grand score? Mon meilleur temps c'est 1 minute 20. Et là sur les 50 Rubik's Cube, j'en ai fait 8. Faire des photos. Oui. Tu as déjà des idées quelles photos tu veux faire? Non, je fais au fur et à mesure. D'accord. Mais okay. Tant que ça passe. Après, avec cette photo-là, tu vas participer au concours que M. Marsal a préparé. Oui, d'accord. Et tu es dans un groupe avec quelqu'un ou tu es toute seule? On est en groupe et tout seul, ça dépend des photos qu'on va faire.
centre-ville et l'objectif c'était de faire le concours inter Rubik's Cube avec 50 Rubik's Cube et de les faire le plus vite possible avec nos élèves. Et parallèlement à cela, de faire des photos, soit un selfie, un monument et le Rubik's Cube et forcément le visage de l'élève, soit un deuxième concours uniquement un monument et un Rubik's Cube, et troisième concours uniquement Rubik's Cube et après imagination libre. Et une petite nouveauté pour cette année, un concours Rubik's Cube avec Photoshop, donc ils ont le droit de faire une photo avec un Rubik's Cube et puis de faire toutes les retouches qu'ils veulent, possible et inimaginable. Voilà. Donc on est resté au centre-ville, place de la République, l'esplanade, l'opéra, le théâtre, la cathédrale et retour en métier.